Bédo le Bédo. Pour une dédicace aux frères du blues, j'écris ce morceau pour les enfants, marqué au fer rouge, ceux de qui on entend les parents, qui en hurlant la perte de leurs enfants. Car certains humains ont un instinct bien malsain, un cœur de prédateur, décidé mal tourné. L'amplitude de la noirceur les font basculer dans le royaume des horreurs pour assouvir leur volonté. En détruisant des âmes innocentes, ont-ils vraiment conscience qu'ils détruisent des enfants pour l'éternité, pour un moment passé, aux côtés d'un enfant qui deviendra grand aussi bien marqué. C'est intolérable d'être aussi minable, ils ont des peines pitoyables pour des crimes abominables. Et c'est ainsi que le monde surnomme la France pédolande. Quelques mois de prison pour des viols d'enfants. Certains se font tuer, d'autres jamais retrouvés. J'aimerais vous venger, mais tout ça, ça s'est déjà passé. Ce titre vous est dédicacé, et s'il vient à buzzer, je vous promets de tout tenter pour faire durcir les lois, pour vous protéger contre ceux qui ne rêvent que de vous empaler. Pour que ces violeurs vivent dans la peur, ne détournez pas votre œil vengeur contre ces hommes sans cœur. Leur châtiment deviendra grand, pas de prison pour les violeurs d'enfants. Remettons la peine de mort pour tous ces porcs. Unissons tous nos efforts pour effacer nos torts. Vous êtes libres d'être d'accord avec nos idées, mais ce message vous est destiné. Nos enfants méritent la liberté. Le gouvernement ne fera rien pour nous aider. C'est seulement 20 piges, donc loin de tout comprendre. Je suis loin d'être compris, pourtant les gens m'entendent. Les pédophiles méritent la torture pour ce qu'ils ont fait. As-tu déjà vu cet enfant au regard tortueux? As-tu déjà vu cet enfant au regard tortueux?